Merci André. Ben déjà, merci de nous avoir invité à venir participer à cette soirée sur l'insuffisance veineuse pelvique périnéale. Comment je fais pour passer là? Vous avez les petites flèches. Là, comme ouais. Ça. Ok, ça marche. Alors, tu nous as demandé donc de faire un petit peu le point sur l'expression clinique, l'épidémiologie et le bilan éco-doppler. Alors, l'insuffisance veineuse pelvique périnéale, c'est une pathologie qui existe sous de nombreuses formes asymptomatiques, mais lorsqu'elle s'exprime cliniquement, elle va avoir deux modes d'expression clinique, le syndrome de congestion pelvienne et les varices des membres inférieurs d'origine pelvienne. Le syndrome de congestion pelvienne, tout d'abord, c'est une pathologie fréquente, elle touche 15% des femmes. Son incidence augmente avec les grossesses. Si on reprend les chiffres qui avaient été donnés par le Collège national des gynécologues obstétriciens de France en 2010, eh bien les algies pelviennes chroniques représentent 15% de l'ensemble des consultations gynécologiques annuelles. Et parmi donc, les femmes qui ont des algies pelviennes chroniques, 30% ont un syndrome de congestion pelvienne isolé, 12% supplémentaires ont un syndrome de congestion pelvienne associé à une autre pathologie. Ce syndrome de congestion pelvienne a été décrit pour la première fois sur le plan clinique par Hobbs en 1976. Il touche plutôt la femme multipare en âge de procréer et il se caractérise par des douleurs chroniques du petit bassin qui irradie dans les lombes à gauche, qui sont augmentées par les rapports sexuels avec des dyspareunies ou des douleurs post-coïtales. Elles sont aussi augmentées en début de règles pendant l'ovulation. Parfois, les douleurs sont uniquement vulvaires. On peut retrouver des irradiations aux membres inférieurs et rarement on a des douleurs isolées et focalisées à type de névralgie obturatrice, pudendale interne ou sacrale. Ce syndrome peut être souvent associé avec d'autres symptômes comme des poussées hémorroïdaires, notamment prémenstruelles, des signes fonctionnels urinaires, des mixtures impérieuses et dysuries. On trouve aussi fréquemment des rétroversions utérines et des varices des membres inférieurs. Alors, sur le plan clinique, l'interrogatoire va d'abord rechercher des antécédents familiaux d'insuffisance veineuse. On va aussi rechercher chez la patiente des antécédents de varices pendant les grossesses, avec des localisations plus spécifiques telles qu'au niveau vulvaire, inguinal ou des hémorroïdes. L'examen clinique va rechercher la présence de varices de l'espace génitocrural, périnéal, des membres inférieurs et il va bien évidemment comporter un examen gynécologique. Au terme de l'examen clinique, la patiente doit bénéficier d'un échodoppler abdominopelvien et endovaginal. Cet examen va permettre de vérifier l'intégrité des axes iliaques, notamment pour rechercher un éventuel syndrome post-thrombotique. On va aussi explorer la veine rénale. On va rechercher s'il existe notamment une pince aorto-mésentérique, le Nutcracker syndrome. L'examen va rechercher d'un reflux au niveau de la veine ovarienne et de la présence de varices périutérines. Il va aussi se compléter par un examen de l'utérus, des ovaires, et afin de faire le diagnostic différentiel d'endométriose, de tumeur ou de cancer. Le second mode d'expression clinique de l'insuffisance veineuse pelvique périnéale, ce sont les varices des membres inférieurs d'origine pelvienne. Alors on a ici sur un tableau qui reprend un petit peu les principales études de la littérature. Je ne vais pas vous le détailler, juste vous montrer deux chiffres que je trouve intéressants. Le premier, c'est sur l'étude REVAS qui date de 2006, qui est une étude prospective qui avait porté sur 199 membres et qui avait étudié essentiellement les étiologies des récidives post-chirurgicales. Dans 16% des cas, une étiologie pelvienne et suprapelvienne était retrouvée. Une autre étude intéressante de Labropoulos en 2001, qui portait elle sur 835 membres, étude prospective également. Dans cette étude, dans 10% des cas, on avait retrouvé des varices primaires qui ne dépendaient pas des territoires saphéniens. Et dans ce sous-groupe, 93% des femmes étaient des femmes multipares. Les étiologies de ces varices primaires étaient dans 50% des cas des fervorantes de cuisse, mais dans 34% des cas, on retrouvait des varices, donc la cause était pelvien, avec 2/3 d'origine vulvo-périnéale et 1/3 d'origine glutéale. Les varices des membres inférieurs d'origine pelvienne ont une prévalence aujourd'hui qui est bien définie aux alentours de 10%, avec des études qui vont de 4% lorsqu'on prend une population de tout venant, jusqu'à 17% quand on considère les études uniquement de récidive post-chirurgicale. Ça touche la femme multipare avec un risque relatif de 4 par rapport à la femme nullipare. Dans 1/3 des cas des varices saphéniennes, une origine pelvienne est retrouvée avec un relais par les axes saphéniens. Alors,
Sur le point physiopathologique, comment expliquer qu'une insuffisance veineuse pelvipérinéale puisse alimenter les varicoses des membres inférieurs? Alors, c'est Claude Franceschi qui a très bien décrit 6 points de fuite. Ils sont classés ici par ordre donc d'importance. Le point le plus important, c'est le point périnéal. Il est situé au niveau du quart postérieur de la grande lèvre. Ensuite, on a le point gluteal inférieur, juste sous le pyramidal, le gluteal supérieur, au-dessus du pyramidal, le point inguinal, qui est au niveau du canal inguinal, le point obturateur et le point clitoridien. En cas de reflux au niveau du point périnéal, cela va pouvoir alimenter des varices au niveau des varices labiales, périnéales également. Alors, les varicoses périnéales, ce sont des varices qui sont situées à la face médiale de cuisse, qui sont un réseau très réticulé. Mais ce point de fuite périnéale peut également alimenter un reflux de la veine grande saphène ou encore, via la veine de Giacomini, un reflux de la petite saphène. Et enfin, une varicose également de la face médiale crurosurale et non systématisée. Lorsque le point de fuite est au niveau glutéal inférieur, ça peut refluer au niveau périnéal, mais aussi le long de la gaine du nerf sciatique. Puis au niveau du nerf fibulaire pour sortir par une perforante postéro-latérale surale et alimenter une varicose donc de mollet à localisation postéro-latérale. En cas de reflux glutéal supérieur, là encore une varicose périnéale peut être alimentée, mais ça peut aussi alimenter une varicose à trajet très spécifique qui va être donc postéro-latérale au niveau de la fesse et de la cuisse. Les reflux par le point inguinal peuvent alimenter une incontinence de la grande saphène, du territoire saphène antérieur accessoire, ou encore via un réseau suspubien, une varicose, donc soit une varicose périnéale aussi, et via le réseau suspubien, une varicose contralatérale des mêmes territoires. Lorsque le reflux se fait par le point obturateur, là encore, on peut avoir une incontinence au niveau de l'axe de la veine grande saphène. Le point clitoridien, puis lui aussi alimenter une incontinence grande saphène, une incontinence périnéale et via un réseau suspubien aussi une incontinence contralatérale. Donc quand faut-il penser à rechercher une insuffisance veineuse pelvipérinéale chez une femme qui vient avec des varices? Bah, systématiquement donc en cas de récidive variqueuse, puisqu'on a vu que l'insuffisance veineuse pouvait être pelvipérinéale peut être responsable dans au moins 17% des cas. Ça peut être cliniquement tout à fait évident, mais ce n'est pas toujours le cas. Hein, donc il faut systématiquement le rechercher. Il faut aussi savoir le rechercher quand une femme vient avec des varices primitives, des membres inférieurs. Alors c'est vrai que parfois la localisation est très évocatrice, si les varices sont périnéales, vulvaires ou fessières, ou comme on l'a vu précédemment dans les territoires postéro-latérales de fesses et de cuisses. Mais comme on l'a vu aussi, les territoires grandes et petites saphènes nécessitent aussi une exploration et une recherche d'insuffisance veineuse pelvipérinéale. Alors, on a ici quelques exemples. C'est vrai qu'ici, c'est très évocateur hein, d'un point de fuite glutéal. Là, une varicose périnéale. On ne voit pas très, très bien. Donc, là, il y avait une belle varicose vulvaire. Et là, par exemple, cette femme, c'était une cinquième récidive post-chirurgicale. Elle n'a jamais été explorée au niveau pelvien. Pourtant, on a ici vraiment des territoires extrêmement significatifs. Alors, au terme de l'examen clinique, la patiente va bénéficier là aussi d'un échodoppler veineux des membres inférieurs. Cet examen va explorer l'ensemble du réseau veineux profond, du sural jusqu'à la veine cave inférieure. Le réseau veineux superficiel, lui, s'examine en orthostatisme. On fait réaliser à la patiente des manœuvres de Valsalva afin de rechercher des reflux et de déterminer ainsi quels sont les points de fuite pelviens. Attention, si on tombe sur un reflux permanent, il faut éliminer la présence d'une vicariance. Il faudra alors savoir rechercher un obstacle comme un Nutcracker syndrome ou un syndrome post-thrombotique. Donc, au terme de l'examen échodoppler, on peut établir une cartographie précise de l'état veineux et donc des différents points qui peuvent alimenter cette insuffisance veineuse des membres inférieurs. Donc, en conclusion, l'insuffisance veineuse pelvipérinéale est une pathologie qui peut s'exprimer cliniquement de deux modes différents. Le syndrome de congestion pelvienne, c'est plutôt un mode d'entrée et de découverte par les gynécologues. Et les varices des membres inférieurs d'origine pelvienne, là, c'est nous, médecins vasculaires, qui devons pouvoir y penser, les détecter. Varices des membres inférieurs primitives ou en cas de récidive. Lorsque un des deux modes d'expression clinique est détecté, il faut systématiquement rechercher le second et notamment il faut que nous on pense à poser des questions aux patientes
qui spontanément ne vont pas forcément nous parler de leurs algies pelviennes chroniques. En cas de suspicion d'insuffisance veineuse pelvipérinéale, la patiente va bénéficier d'un échodoppler abdominaux pelvien, endovaginal et des membres inférieurs, qui va permettre de confirmer le diagnostic, au terme duquel elle aura soit un scan abdominaux pelvien, soit une IRM, qui permettra ainsi de prendre une décision thérapeutique et de discuter plus ou moins d'une phlébographie interventionnelle. Voilà, je vous remercie.